Soyez bénis mes frères et sœurs en Christ et je vous dis encore un grand merci pour tous ceux et celles qui m'écoutent, qui me suivent depuis un certain temps, pendant ce temps de confinement, ce temps de pause et de réflexion. C'est vraiment des temps de réflexion, temps que nous devons tous vraiment réfléchir. Comme il est dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et c'est pourquoi je vous invite encore en ce jour avec moi à se tourner vers ce Dieu qui nous attend, qui nous ouvre les bras, qui veut vraiment nous accueillir par le moyen de sa parole. Car chaque fois que nous lisons sa parole, il y a toujours quelque chose qui se passe dans notre cœur. Le Seigneur agit par son Esprit Saint. Le Seigneur veut vraiment nous attirer vers lui et c'est vraiment son désir. Alors il se sert de toutes circonstances, des événements pour nous attirer vers lui. C'est pas lui qui a créé tout ce mal, tout ce qui nous arrive dans la société, mais c'est le cœur de l'homme fait ainsi. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est là vraiment pour nous enlever toutes sortes d'hérésies, toutes sortes de pensées qui ne viennent pas de lui. Parce que nous avons l'habitude de dire à Dieu, mais pourquoi tout cela? Pourquoi cela, toutes ces choses sont là devant nous pour nous détruire? Pourquoi les guerres? Pourquoi les divorces? Pourquoi les tueries? Mais cela, c'est pas Dieu qui est. Dieu n'a pas créé l'homme ainsi. C'est pourquoi il invite l'homme chaque jour à venir vers lui, à découvrir, à venir encore goûter comment le Seigneur est bon, comment le Seigneur est amour, celui qui veut nous diriger, celui qui veut nous conduire vers lui. C'est pourquoi il nous invite à racheter le temps. Comme il est dit dans Éphésiens 5, verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et qui peut vraiment racheter le temps? Qui peut vraiment racheter le temps? Est-ce que tu as assez de ressources en toi pour pouvoir ce qui va te permettre de racheter le temps? Est-ce que l'homme peut racheter le temps? Est-ce que l'homme peut revenir dans le passé et pour pouvoir racheter, mettre, c'est-à-dire rattraper tous ses dégâts, tout ce qu'il a fait de mal? Est-ce que l'homme est capable d'ôter cela? Est-ce que l'homme est capable d'enlever, de racheter le temps? Pourtant, la Bible nous dit, racheter le temps car les jours sont mauvais. Et comment racheter le temps dans ce monde où tout va mal, comme il est dit, car les jours sont mauvais. Et beaucoup disent, oui, demain ça ira mieux, on vit dans un monde merveilleux, mais je reviens encore, il est dit, les jours sont mauvais et les jours s'annoncent de plus en plus mauvais. C'est pourquoi Dieu nous invite vraiment à racheter le temps. De même, nous ne pouvons pas racheter le temps. Nous devons nous tourner vers celui qui est capable de nous aider à racheter le temps. Alors, ami, toi qui m'écoutes, là où tu te trouves, là où tu es, je t'invite vraiment tout simplement à ouvrir ton cœur et à se tourner vers celui qui est capable d'aider à racheter le temps. Car tu ne peux pas racheter le temps avec ton argent, avec ton trésor. Tu ne peux pas racheter le temps. Mais je t'invite vraiment à se tourner vers celui qui est capable de t'aider à racheter le temps, si tu le veux bien. C'est pourquoi je veux t'emmener plus loin dans cette réflexion. C'est ce qui t'emmène à réfléchir, c'est ce qui t'emmène à te dire, mais est-ce que je peux vraiment racheter ou bien réparer tous les dégâts que j'ai causés dans la vie des autres et dans ma propre vie? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis en position? Est-ce que j'ai les moyens de racheter le temps? Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai la force mentale et spirituelle de racheter le temps? Est-ce que j'ai cette force mentale de réparer les dégâts de la vie des autres, dans la vie de mes enfants? Est-ce que je pourrais le faire? Oh oui, c'est vrai, j'ai fait du mal par mon regard, par mes gestes, par ma bouche, j'ai fait tant de mal. Est-ce que je pourrais vraiment racheter cela? C'est pourquoi je t'invite vraiment, si tu le veux bien, de se tourner vers celui qui est capable d'aider à racheter les temps. Parce que la question que nous pouvons tous nous dire, c'est comment le faire. Mais moi, je te dirais plutôt la question que tu dois te dire, te demander, avec qui je pourrais-je le faire? Avec qui? Qui pourra m'aider à racheter le temps? Qui pourra m'aider? C'est pourquoi je veux te poser une question. Car les questions nous emmènent à réfléchir profondément et je veux t'aider. Cette question va t'aider. Je vais te dire tout simplement, dis-moi ce que tu penses du temps et je te dirai qui tu es, car en effet le temps c'est ma vie. Le
temps, c'est ta vie. Car ce qui nous conditionne, c'est le temps. Ce qui nous aide à atteindre un objectif, c'est le temps. Alors le temps, tu pourras dire, c'est ma vie. Et le temps, ce temps-là qui détermine ta vie, qui conditionne aussi ta vie, ce temps-là doit être bien géré. Car nous vivons dans les temps où nous sommes dominés par lui. Les hommes sont dominés, les femmes sont dominées. On est tous parfois dominés par le temps. Mais nous sommes aussi maîtres et responsables du temps qui nous a été accordé. Sachant que ce que nous faisons, comme je l'ai dit, de notre temps, c'est ce que nous faisons de notre vie. Ce que tu fais de ton temps, c'est ce que tu fais de ta vie. Et c'est pour ça que tu devrais commencer par le temps. Car comme je viens de le dire, c'est ce qui va déterminer ta vie. C'est ce qui va t'aider à atteindre tes objectifs. C'est ce qui va t'aider à gagner le cœur de tes enfants, de ton mari. C'est le temps que tu prends avec eux. C'est vraiment ça qui va t'aider à gagner leur cœur. Et c'est à partir de là que tu pourras comprendre pleinement que le temps, c'est ta vie. Alors tu dois vraiment t'arrêter et réfléchir en disant qu'est-ce que je fais de mon temps? Car nous aurons tous à répondre un jour de toute parole inutile prononcée et nous aurons certainement aussi à rendre compte de ce que nous aurons fait de ce trésor qui nous a été confié. Ces centaines de milliers d'heures que Dieu a mis à notre disposition. Quel amour! Si Dieu a créé le temps, l'heure, c'est pour nous aider à gérer le temps. Si nous avons une montre avec nous, c'est pour nous aider à gérer tous ces milliers, ces centaines d'heures, de secondes, de minutes, d'heures qui défilent devant nous. Est-ce que tu remarques qu'il y a des secondes, des minutes qui défilent devant toi? Mais qu'est-ce que tu en fais de ces milliers de minutes, d'heures que Dieu a mis à ta portée? Pour t'aider à gérer, pour t'aider à consacrer ton temps envers les autres. Nous devons tous nous interroger sur notre façon de gérer le temps que Dieu a mis à notre disposition. Tous, quel que soit notre niveau social, même toi qui penses que tu gères bien ton temps, mais parfois il est important de s'arrêter et de s'interroger. Et ce temps de confinement permet à tout homme, femme, de s'arrêter et de mettre une pause. Et c'est ce qui va te permettre de réaliser que le temps a beaucoup filé devant toi. C'est ce qui va te permettre de tourner vers une autre personne. C'est ce qui va te permettre de réaliser que tu ne peux pas gérer le temps tout seul. Tu as besoin d'être aidé. Car malgré la montre ne suffit pas pour t'aider à gérer ton temps. Le réveil aussi ne suffit pas. Malgré le réveil, tu as du mal à être dans le temps. Mais le Seigneur est tout pour nous. Il est notre réveil. Il est celui qui nous aide à atteindre nos objectifs. Si vraiment tu voulais te tourner vers lui, si vraiment tu pouvais réaliser que le temps est précieux, mais nous en calculons rarement le prix et nous ne savons pas comment l'employer. Tu veux pouvoir le faire, tu dois apprendre, tu dois être humble, tu dois reconnaître que jusque-là, tu n'as pas pu bien gérer ton temps. C'est pourquoi ce passage d'Éphésiens cité par l'apôtre Paul en disant « Rachetez le temps, car le jour sont mauvais » est si important qu'il devrait être lu et relu pour tous les chrétiens engagés au service de Dieu. Il y a aussi ce passage en parallèle que j'ai cité hier, le psaume 92 et le psaume 119 qui nous aident à comprendre que la prière et la méditation de la parole n'est pas une perte de temps, c'est l'un des meilleurs investissements de celui qui veut apprendre à bien compter ses jours et d'appliquer son cœur à la sagesse. T'as besoin de recevoir cette sagesse de Dieu. T'as besoin de prier en disant « Seigneur, je n'en peux plus. Viens m'aider. Viens me secourir. J'ai besoin de toi. Aide-moi à gérer mon temps. » Et il sera là pour t'aider. T'as besoin de prier, de chercher Dieu dans la prière. T'as besoin de prier de tout ton cœur avec sagesse. Et c'est pourquoi t'as besoin de ton Créateur qui va t'aider à prier pour pouvoir vivre dans le temps, en lui disant « Apprends-moi, Seigneur, à bien user de mon temps que tu me donnes pour travailler et à bien l'employer sans rien perdre. » Je dis sans rien perdre, aucune seconde. Même si les secondes défilent vite, Dieu te donnera la capacité
de gérer le temps, de gérer toutes les secondes, toutes les minutes et toutes les heures qui défilent vers toi, parce qu'il te donnera la capacité par le Saint-Esprit, car Dieu est celui qui accorde à tous ses enfants, à tous ceux et celles qui veulent devenir ses enfants, cette capacité de gérer leur temps. Et tu pourras le dire avec toute humilité encore. Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans tomber dans les remords qui peuvent me ranger. Car ce qui range aujourd'hui les gens, c'est le passé. Peut-être tu as mal géré ton temps. Tu as mal utilisé ton temps pour faire du mal. Et cela te range, cela te fait du mal. Mais le Seigneur est capable de te restaurer. Car il est un Dieu d'amour. Et c'est ma prière que Dieu puisse te restaurer, que Dieu puisse enlever toutes ces rumeurs. Ainsi, tu pourras encore te tourner vers lui en lui disant, apprends-moi à prévoir un plan sans me tourmenter, à envisager mon ouvrage sans me désoler s'il prend d'autres tournures. Car ce qui nous bloque, quand tes projets commencent à prendre à d'autres tournures, là tu vas dans tous les sens. Mais ne va pas dans tous les sens. Ne gaspille pas ton temps dans les futilités, mais garde regard fixé vers Jésus. C'est lui qui pourra t'aider, celui qui est venu sur la terre. Il a bien géré son temps et tu pourras le dire encore et encore. Apprends-moi à m'appuyer sur ta sagesse et à la serrer dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. La sagesse de Dieu nous aide. La sagesse de Dieu nous aide à gérer notre temps. Car la sagesse, c'est l'art et la manière de faire les choses. Et tu seras vraiment en capacité de faire les choses, même si tu as peu de temps sur les hommes devant toi. Mais Dieu te donnera la capacité d'accomplir ce que tu dois accomplir. Parce qu'il est celui qui est capable de nous donner cette capacité de faire des grandes choses en peu de temps. J'ai dit beaucoup de choses, des grandes choses en peu de temps. Il est capable. En quelques secondes, il te donnera la capacité si tu le demandes. Et tu dois en faire un sujet de prière. La sagesse de Dieu. Oui, la sagesse de Dieu nous aide à consacrer du temps, à organiser notre temps et aller vers celui, ceux et celles qui seront capables de nous aider à bien gérer notre temps. Car il est dit, car la sagesse se trouve au nom des conseillers, des hommes et des femmes qui ont appris à gérer leur temps. Dieu s'intéresse à toi aujourd'hui. Dieu s'intéresse à ta personne. Oh, bien-aimé de Dieu. Car nous pouvons être des enfants, des êtres humains, semblables à des élastiques constamment tendus à l'extrême jusqu'à ce qu'ils craquent à cause du manque de temps et vivent en permanence sur la tension et dans un effort continuellement soutenu, on finisse toujours mal. On finisse par vraiment infecter notre entourage et être en danger. Et ce qu'il nous faut au contraire, c'est épouser la mentalité de notre Dieu. Puisque nous sommes des ouvriers, ou bien si tu veux devenir un ouvrier avec lui, sous son autorité. Car Dieu s'intéresse plus à l'ouvrier qu'à l'ouvrage. Sans l'ouvrier, l'ouvrage n'est rien. Il est nul. Nous travaillons avec des êtres humains au niveau des cœurs. C'est l'une des causes de la venue de Jésus-Christ, car il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce qui montre que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. C'est pourquoi j'ai souligné ceci. Rachetons le temps en dépensant de l'amour. Le temps ne se compose pas seulement d'heures et de minutes, mais d'amour et de volonté. On a peu de temps quand on a peu d'amour. Si tu es vraiment, tu cherches l'amour de Dieu, tu auras le temps, ton mari, ou bien pour ta femme, pour tes enfants. Le temps, c'est l'amour. Si je peux m'arrêter ainsi, le temps, c'est l'amour. Alors, achetons le temps en dépensant de l'amour. C'est pourquoi je t'invite à s'arrêter là maintenant et prier avec moi. Cette prière va vraiment t'aider. Car la Bible nous dit veillez et priez. Et la sagesse de Dieu va t'aider à prier, à veiller. Mais tu dois prier. Car il dit veillez et priez afin que personne ne puisse tomber dans la tentation. Que tu ne puisses pas tomber dans la tentation d'être esclave du temps. Mais Dieu veut te délivrer. Alors prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci, merci, merci pour cette parole puissante qui nous restaure, qui nous emmène à réaliser que nous pouvons tomber très vite vers nos travers, être esclaves du temps, maîtrisés par le temps. Mais tu nous as donné la capacité par le Saint-Esprit. Tu es capable de le faire. Tu vois le monde esclave du temps. Le monde ne sait pas gérer leur temps. Et c'est ce qui nous empêche d'atteindre notre but. Le fait que nous ne savons pas gérer notre temps. Seigneur, cela nous emmène dans des lamentations
disons, j'ai pas de temps, je suis pris. Mais tu es capable de nous aider, de nous donner cette capacité de faire beaucoup de choses en peu de temps. Aide ton église de Jésus à gérer leur temps. Aide nos pères. Je te prie aussi pour moi en tant que pasteur, serviteur, que tu as établi. Aide-moi à gérer le temps. Jésus-Christ, tu es comme j'ai dit hier, tu es le plus grand gestionnaire du temps. Seigneur, vraiment, aide-nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, je t'en supplie. Le monde va mal. Le monde ne sait plus où se tourner. Mais Jésus, nous voulons nous tourner vers toi, afin que tu puisses nous aider à bien gérer notre temps, à donner notre temps à tous ceux et celles qui nous aiment, à tous ceux et celles qui nous entourent, même pour nos ennemis. Parce que tu nous dis de prier pour nos ennemis. On doit prendre du temps pour nos ennemis, selon ta parole. Car très souvent, nous délaissons ceux qui ont du mal à nous aimer, ceux que nous avons du mal à aimer. Mais tu nous dis, priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour vos ennemis. Cela peut venir que de toi, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la capacité. Car prier pour mes ennemis ne veut pas dire être et ce sont mes amis. Mais même s'ils ne sont pas mes amis, je dois prendre du temps dans la prière. Tu dois apprendre à prier pour tes ennemis, pour ceux qui te veulent du mal. Si tu demandes à Dieu ce temps, cette capacité de le faire, il t'aidera. Alors prions ensemble, avec un cœur sincère, un cœur ouvert devant ce Dieu. Dieu est capable de faire ce miracle. Seigneur, aide-nous. On ne prend pas, Seigneur, du temps dans la prière pour prier pour ceux qui nous aiment, pour nos ennemis, afin que nos ennemis puissent se tourner vers toi, parce que tu veux le toucher. On était tous l'ennemi des ennemis de Dieu, mais un jour tu nous as changés, un jour tu es venu vers nous. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, en particulier pour cette gestion du temps. On est submergé, on est pris dans tous les sens. Et tu vois ceux et celles qui se suicident à cause de cela, tellement ils se sont laissés immerger et ils se sont isolés, car on les a tellement pris comme une éponge pressée, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je te prie de les délivrer. Au nom puissant de Jésus, reçois la délivrance. Toi qui es oppressé à cause du temps, tu n'as plus du temps. Tu as plus du temps à consacrer, à donner à tes enfants, à ton mari, à cause du travail. Toi aussi, homme, tu passes que du temps dans ton travail. Tu donnes pas de ton temps à ta femme, à tes enfants. Et tu es isolé. Et quand tu rentres à la maison, tous se retirent dans leur chambre. Tu as du mal à communiquer. Tu dois prendre sur toi, tu dois demander l'amour de Dieu pour pouvoir donner de ton temps. Pourtant, tu donnes ton temps dans ton lieu de travail. Mais tu dois te dire, un jour, tu seras à la retraite. Il n'y aura plus ces personnes qui te disaient, mais tu es génial, sans toi, on ne peut pas avancer. Toutes tes pensées que tu donnes dans ton lieu de travail, un jour, tu seras à la retraite et il n'y aura plus tes enfants autour de toi. Et c'est là que tu voudras tisser quelque chose fort. C'est là que tu voudras leur consacrer du temps. Mais ça sera trop tard. Mais ça sera trop tard. Alors donne-toi à Jésus. Je prie une dernière fois. Ouvre ton cœur à Jésus. Dis-lui, viens m'aider. C'est vrai, je donne pas du temps à mes enfants, à mon épouse en premier, à ma famille, à cause de mon travail. Ça me prend tellement du temps. Mais je veux te demander pardon. Alors sois sincère et reçois Jésus-Christ. Et que ton nom soit béni. Père, pour cette grâce que tu viens de faire dans les cœurs, soyez béni. Encore un grand merci pour votre écoute. Soyez béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et serrez cette parole dans votre cœur. Cette parole est comme une guérison, une restauration. C'est une parole d'amour. Alors reçois cet amour. Et c'est ce qui te permettra de donner du temps sans calculer quoi que ce soit. Que Dieu te bénisse.